Marc et Marcel sont de retour. Bienvenue dans l'émission. Marc et Marcel, c'était TA2. Voilà. Hey. Bon, Marc et moi, on a décidé tout simplement de faire participer au public. Et la personne qui a eu vraiment l'idée, je vais vous la laisser s'exprimer un peu. C'est tout simplement, c'est Marc. Marc, tu voulais parler un peu d'un nouveau concept qu'on entend mettre en place, c'est ça un peu? Voilà. Donc le concept, il est simple, Marcel. Ouais. Vu que nous, c'est pas simplement une chronique en fait et que c'est une émission. Mmh. J'ai eu l'idée, avec ton accord, bien évidemment, de faire participer la personne qui nous regarde. Donc comment ça se passe? Ça va être simple. Vous nous rajoutez sur Twitter CTTA2M ou sur le Facebook Marc et Marcel. Vous nous laissez votre numéro de téléphone, on vous contactera pour avoir votre point de vue à vous sur le morceau auquel on est en train de chroniquer. Donc c'est simple, cette vidéo là, vous nous prouvez que vous l'avez partagée, que vous l'avez vue, que vous la partagez sur votre réseau social. Vous nous laissez votre numéro de téléphone en disant je veux participer, et puis nous on vous rappellera juste avant la vidéo pour que vous puissiez écouter le morceau auquel on va chroniquer et pour avoir votre point de vue. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, en tout cas, c'est un nouveau concept. On a envie de faire participer un peu le public. On pourrait faire des micro-trottoirs, mais on n'a pas envie de faire ça. Enfin, effectivement, on a un peu passé l'âge. Mais c'est vrai qu'on a décidé de chroniquer un nouveau son, tout simplement, qui est sorti il y a quasiment une semaine. C'est ça un peu, Marc? C'est à peu près le morceau de Booba et Maes. Voilà, on va plus dire Maes Booba, quoi. Vraiment, c'est plus morceau qui se trouve dans l'album de Maes, quoi, tu vois. Mais tu sais qu'à la base, ce morceau-là, il devait pas être sur l'album de Maes. Mais pourquoi, justement? Parce que quand Maes il a fait la promo du tracklist, Booba il était pas dessus. Ouais. Et Booba il a dit ouais, vous pouvez même vérifier sur le Twitter, il a dit comment ça se fait que je suis pas sur l'album de Maes, je vais envoyer mon couplet Universal et tu verras que je vais être quand même sur l'album. D'ailleurs il y a un chroniqueur que je suis régulièrement, que j'aime beaucoup, qui en a parlé, c'est Nanas. Gros big up à lui, parce que franchement, je regarde tout ce qu'il fait. Nana, c'est pas le petit youtubeur là, c'est pas ouais, le Marseillais ouais, là. Il a un peu la tête de soprano en blanc, un peu même la voix en soprano en blanc. Ouais, c'est l'accent de Marseille, ouais, ça. Ouais, effectivement. Voilà, donc gros big up à lui. Puis moi, j'ai appris sa vie à lui. Mais donc, c'est chiant, je t'écoute, Marc. T'es en train de dire que Booba n'était pas sur l'album de Maes et qu'en envoyant justement ce mot et cette phrase et justement ce texte sur Twitter, il s'est retrouvé normal sur l'album de Maes. Non, mais non, c'est facile. C'est pas un coup de buzz qu'ils ont essayé de faire un peu là, non? Peut-être, hein. Après, on va savoir. Peut-être ça. On dirait, hein. Mais oui, on dirait. C'est chelou. Quand même, Booba, c'est lui qui produit, comment s'appelle, Maes. J'en suis sûr, c'est quasiment lui l'apporteur d'affaires sur Maes. J'en suis sûr, c'est lui qui a ramené Maes, comment s'appelle, à Universal. Il est dans. Maes est dans son album. Dans son projet. Donc, attends. Si Booba il a envie d'être dans l'album de Maes, il se trouve dans l'album de Maes, non, ça, c'est facile pour Booba, non? Ça doit être un coup de com. Ouais, ça peut-être, doit être peut-être, com, voilà, peut-être, parce que ça a l'air bizarre. Hein. Au pire, pourquoi l'écrire sur Twitter? Mm-hmm. Tu fais ce que tu as à faire sans le signaler sur Twitter, ouais. Mais bien sûr, ouais, bien sûr. Tu dois avoir raison, Marcel. Voilà. Bon, ok. Marc, t'as écouté le morceau, tout simplement. Voilà, le morceau, il s'appelle Blanche, c'est ça un peu, non? La Blanche. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire encore Blanche, là? C'est toujours la drogue, la cocaïne, ensuite, non? Cocaïne, c'est quoi ça, un peu, non? Un peu, on dirait, hein. Mais il y a quelque chose de bizarre sur le morceau. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Je te laisse d'abord dire ce que toi tu penses, et puis après, moi, je dirais oui, ce que je pense. Moi, pour moi, bon, le morceau, bon, je l'ai écouté, effectivement, et j'ai l'impression que, bon, c'est encore une histoire d'amour, une histoire de drogue, c'est toujours la même chose. Mais j'avais l'impression de voir, allez, le son validé, j'avais l'impression de voir un peu le son, la Madrina, tu vois. On a l'impression que c'est Madrina 2.0, quoi, tout tu vois. Tout à fait, bon, on dirait que ça sonne comme la suite de Madrina. Ouais. On dirait que peut-être c'est la suite, peut-être va un épisode 2, un épisode 3, peut-être un album de prévu, on sait pas. Mmh. C'est vrai que ça sonne comme la suite de Madrina et de Validé. T'as tout à fait raison, Marcel. Après, moi, ce qui m'a dérangé, c'est que quand on entend le couplet de Maes, ça parle de drogue. Voilà. D'ailleurs, dans son couplet, il y a quelque chose qui est très intéressant, Marcel. Ouais, c'est quoi? Il a souligné un point très intéressant. Mmh. Il dit, le shit m'a rendu parano. Tu vois, Marcel, ça, effectivement, c'est d'ailleurs, je l'ai vu même dans la vidéo que tu as diffusée avec Joe, que Joe, il a dit. Les gens, ils sont en train de péter un plomb en ce moment. Mais c'est dû à ça, Marcel. T'as dû au smoke un peu, tu penses? C'est sûr et certain. Il suffit de voir les personnes qui sont en HP, voir les statistiques. C'est dû à ça, les mecs.
C'est pour ça que les gens ils pètent un plomb. Mais là, les rappeurs, ils mettent le doigt dessus sans trop en parler vraiment. Parce qu'ils sont au courant, même eux ils savent. Il y a même Despo qui l'a dit. Même Despo il a dit, moi j'ai fait un séjour en espèce à cause, de ce que je fumais. Malheureusement Marc, si nos artistes, nos rappeurs savent que consommer justement des produits illicites nuit très gravement à la santé de ces jeunes qui les regardent, de ces jeunes qui vont à leur concert, de ces jeunes qui achètent leur CD. Pourquoi alors ils font pas un appel pour leur dire, hey, calmez-vous un peu alors. Parce que en faisant des choses comme ça, ça veut dire qu'ils poussent les jeunes à la consommation quasiment un peu, non? Je suis tout à fait d'accord avec toi, Marcel. C'est pour ça qu'il y a des rappeurs qui devraient faire leur retour. Je pense à Sefyu. Ouais. Je pense que lui, il devrait faire son retour. Mais il a fait son retour quand même. Ouais, mais apparemment, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il a pas eu autant de buzz qu'il devrait avoir. Mmh. Et il faudrait. Sefyu revient, Sefyu. Le rap français a besoin de toi. La jeunesse a besoin de toi. Mais il y a grosse force à Sefyu justement. Gros bisou à lui. Et je lui fais vraiment un gros bisou à ses frérots Biak, justement, et ses frérots ST4. Mais. Avec ST4, au fait, Marcel, ouais. Je suis en train de passer à lui. Moi, je fais un gros big up à ST4. Un gros big up à ST4. Je vais t'expliquer pourquoi, Marcel. C'est juste une petite parenthèse. Hein. Parce que quand j'ai ouvert Espace Hip Hop, ST4, ils avaient une radio sur. On est sous bois. Auquel il m'a invité, auquel il m'a donné des conseils. Il y avait toi, Marcel, comme je t'ai dit plus d'une fois, je te remercie, mais il y avait aussi lui, ST4. Il y avait Amdiaz aussi, non? Amdiaz, j'ai pas eu l'occasion de lui parler, mais ST4, Alassane, s'appelle Alassane, c'est des jumeaux. Bref, il m'a donné beaucoup de force. Je sais que là, il est en train de préparer son album, son projet, donc un gros big up à lui. Et frérot, je t'oublie pas, frérot, t'inquiète pas. Grosse force à ST4, c'est fou, Molotov. Voilà. Après, aussi, dans le morceau, ce qui m'a dérangé, c'est que j'avais l'impression que. MAS il parlait de drogue, ouais. Et Booba il parlait d'une meuf. Comme si que les deux, bon on le ils sait. C'était opposé. C'était opposé. C'est genre. Mais c'est ça qui fait aussi peut-être le charme du morceau, non? Oui, mais comment l'autre il est en train de dire, ouais, j'ai big rave, je vends du toshi, tout ça. Bon, voilà, il raconte son histoire. Et Booba il parle d'une meuf. Marcel, il y a pas quelque chose de bizarre? Non, mais tu sais, attention, parce qu'il faut savoir lire aussi sur les lignes, justement, Marc. Parce que si Booba parle d'une meuf et Maes parle de la drogue, et ça dépend dans ce que Booba dit dans son couplet, ça dépend de ce que Maes dit dans son couplet, parce que des fois, ça peut se rejoindre, tu vois. Bah, Maes... La blanche, par exemple, la blanche aujourd'hui, on voit très bien qu'aujourd'hui, quand tu réussis, attention, t'as peur de sortir avec la femme noire, tu préfères sortir avec la femme blanche, tu comprends ce que je veux dire? Mais il y a plein de jeux de mots, attention aujourd'hui, comment ça s'appelle, qu'on peut dicter, tu vois ce que je veux dire? Regarde, tous nos footballeurs, ils ont peur de sortir avec une femme noire, pour peut sortir avec une blanche. Pourquoi? Non, mais je sais pas, je ne saurais pas quoi te dire, je ne saurais pas, bah, c'est pas d'être raciste de dire cela. Noire, hein, mais je préfère la femme noire. Hein. Effectivement, tu préfères la femme tu noire. Sais, Marcel, mais, regarde, je vais te dire, tu préfères la femme noire, mais ton enfant n'est pas métisse. C'est vrai. Donc, voilà, ça dépend. Ça aurait pu. Mais c'est l'épargne. Tu comprends ce que je vais dire? Regarde, moi, j'ai comment ça s'appelle j'ai deux enfants noirs et j'ai une petite fille métisse. Tu comprends ce que je vais dire? Donc, ça veut dire que j'adore la couleur, j'adore le mélange. Je suis un bail de chocolat au lait. Tu comprends ce que je veux dire? Aïe! Tu as raison, Marcel. Voilà. Donc, voilà. Donc, revenons un peu à nos moutons. Le morceau de Booba et Maes. Tu ne penses pas que si Maes, il aurait parlé d'une meuf? Ouais. Mais Maes aussi parle d'une meuf, en meuf. Quand tu regardes, quand tu écoutes bien, il parle aussi d'une meuf. Ta meuf a voulu que je lui fasse un marmot, je l'ai juste ken, après je me rappelle plus de ce qui s'est passé, le shit m'a rendu paro. Voilà la seule chose qu'il dit sur la meuf. Oui, mais quand il dit le shit m'a rendu paro, ça veut dire que le shit l'a rendu paro, effectivement, lui a donné d'autres horizons en disant oui, peut-être qu'il faut que j'aille voir autre chose, faut que j'aille ailleurs, comment ça s'appelle, je dois faire de l'argent, je dois faire de l'oseille. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a tout ça aussi. Oui, mais Booba, en aucun cas, il parle du shit. Il parle pas de drogue, Booba, dans son couplet. Tu vois? Voilà, alors, qu'est-ce qui te gêne un peu dans ce morceau, toi, vraiment, Marc, un peu? C'est ça, c'est le fait que les couplets ne s'accordent pas trop. Ouais, ça s'accorde pas, vraiment. Ça s'accorde pas, après le clip, il est bien, le morceau, il est bien, le couplet de Booba, il y a un moment dans son couplet où on dirait il y a quelque chose de très intéressant, tu vois, genre... Tu vois ça, on dirait... Ouais, Booba a toujours été un gentleman, donc... Ouais, non, mais quand j'écoutais ce flow-là, j'ai eu l'impression, Marcel, je dis honnêtement, j'ai eu l'impression qu'il joue avec ses gamins, et qu'il s'est dit, attends,
Ils ont commencé à, tu sais, commenter avec tes gamins, tu avant des musiques, comme si il a sorti ce flow avec son gamin, il dit attends, je vais commencer à l'écrire. Parce que ça, c'est un flow où tu t'amuses, tu vois, ça, c'est un flow que ça m'en avoue, c'était direct. Pourquoi les gens kiffent comme ça, Booba, autant comme ça? Parce que... Peu importe ce qu'il fait, les gens, ils adorent. Il peut faire n'importe quoi, de la merde, il peut nous chier dessus, les gens vont kiffer, quoi. Non, quand même pas, mais Booba, je pense que c'est un mec très, très intelligent. Oui. C'est comme 90% de nos rappeurs, tout le monde est intelligent à sa manière, non? Sauf que Booba, quand tu regardes Booba, il se renouvelle, mais de partout. Il charge de partout, il fonce de partout, il a faim, il est à la dalle, même à l'heure d'aujourd'hui. Enfin, je pense pas qu'il est à la dalle, à l'heure d'aujourd'hui, le mec, il a plus la dalle, il fait ça uniquement pour s'amuser. Oui. Quand tu vois du morceau à l'époque de Lunatic, le flow qu'il a à l'heure d'aujourd'hui, les histoires qu'il a, la communication qu'il a, c'est un président, ce mec. C'est le président du rap français, ce mec. C'est le président du rap français. En tout cas, les gars, c'était dans l'émission, c'était à deux, justement. Marc et Marcel, on revient. Allez, on vous embrasse. À très vite, la famille. Ciao.